Merhaba sevgili izleyiciler. Transfer Merkez TV'ye hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Samsunspor, Chernomor takımından Matias Kuro'yu transfer etti. Şimdi Fransız gazeteci Elliot Bugeaud Kuro hakkında sorularımızı yanıtlayacak. Bonjour, comment ça va? Tout bien? Salut Alim, ça va et toi? Oui, ça va bien aussi. Et merci. Alors, c'est parti. Peux-tu nous résumer ses débuts au FC Nantes? Ouais, alors Mathias, en fait, il est arrivé à Nantes en 2009 en provenance de Beauvais, qui était en troisième division à l'époque. Il jouait la montée en Ligue 2 et après une bonne première partie de saison, le FC Nantes s'est intéressé à lui et ils l'ont fait signer en janvier. Et en fait, avant de signer, Mathias a rencontré Valdemar Quitta, le président du FC Nantes, dans un grand hôtel parisien qui s'appelle le Plaza Athénée. Et il lui a mis des étoiles plein les yeux. Il lui a promis qu'il jouerait des matchs en Ligue 1 dès la saison prochaine quand le club sera remonté. Et en fait, jouer en Ligue 1, c'était le rêve de Mathias. Il a donc signé sans trop réfléchir. Et le souci, c'est qu'en fait, l'entraîneur en place, Michel Derzakarian, ne le souhaitait pas et ne le connaissait pas. Et en fait, il lui a dit directement, et Mathias allait s'entraîner avec la réserve. Et donc, pendant 2 ans, il n'a jamais joué avec l'équipe première. Et il faut savoir que, en fait, Mathias est arrivé lors d'une des périodes les plus sombres du FC Nantes. Encore aujourd'hui, le club est mal géré, mais à l'époque, c'était vraiment un bordel sans nom. Il n'a jamais eu vraiment la chance de s'imposer à Nantes, malgré le fait qu'il travaille dur à l'entraînement. Et c'est pour ça qu'il est parti de France et qu'il a connu de nombreuses expériences à l'étranger. Mais je pense que s'il est arrivé dans un environnement stable avec de la confiance, il aurait eu le niveau pour s'imposer dans un bon club de Ligue 2 et pourquoi pas un jour en Ligue 1 française. Et la suite de sa carrière? Alors, en fait, il a connu de nombreuses expériences, d'abord en Espagne, en Bulgarie, en Géorgie, au Kazakhstan, en Corée du Sud aussi. Il a connu beaucoup d'environnements différents. En Bulgarie, au Tchernomor, il a largement marqué les esprits. En fait, il est vénéré dans ce club. Quand je l'ai interviewé, moi, la première fois, il m'a dit que les supporters avaient remercié sa mère de l'avoir mis au monde. C'est un peu de la folie quand même. Et c'est lui qui marque le but vainqueur en finale de Coupe de Bulgarie en 2014. Il a emmené son club vers la Coupe d'Europe. Et en fait, ensuite, il est parti à Tbilissi, en Géorgie, où là encore, il y a eu des promesses de dirigeants qui n'ont pas été tenues. On va dire que c'est le grand problème de sa carrière au moment où il peut aller plus haut, où il n'arrive pas dans le bon club en fait. Mais sa force de caractère l'amène toujours à se surpasser pour rester au plus haut niveau. Il a encore rebondi en Bulgarie avant de partir s'éclater au Kazakhstan. Et donc ensuite, il a eu ce passage en Corée du Sud. Et c'est un pays dans lequel il a eu du mal à s'acclimater. Il m'a confié que c'était un monde totalement différent de ce qu'il vivait aujourd'hui, très militaire. Et c'est ce qui l'a amené à retourner en Bulgarie, au Tchernomor. Et c'est là que le retour a été en fait fracassant avec les stats que l'on connaît, 15 buts en 15 matchs. Donc si je devais qualifier Mathias, je dirais que c'est un bosseur. C'est pas forcément le joueur le plus talentueux, mais il a montré une vraie force de caractère au long de son parcours. Il a connu des moments difficiles, il a toujours su se relever. Et en plus de ça, voilà, c'est quelqu'un de très simple, de sympathique et d'attachant. Et donc j'espère qu'il réussira en Turquie. Comment les négociations ont commencé entre Kuro et les deux clubs? Pourquoi est-il choisi Samsun Sport et pourquoi est-il quitté le Chernomor? Alors, je ne vais pas mentir, hein, je ne connais pas vraiment les détails de la prise de contact entre Mathias et Samsun Sport, mais ce qui me semble évident pour moi, c'est qu'il était revenu au Tchernomor pour se relancer, pour donner un coup de main à son ancien club aussi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le contrat est rempli. À mon avis, il s'était engagé que sur le court terme avec le Tchernomor, et il m'avait confié à moi l'envie de découvrir quelque chose de nouveau. Et en ce sens, je pense que quand il a vu l'offre turque, il a vu ça comme une opportunité de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, un nouveau championnat. Et c'est pour ça que je pense qu'il est très, très motivé à l'idée de se mesurer au championnat turc. Et on sait que c'est un bon buteur. Peux-tu nous expliquer ses qualités et que tu peux dire de son style de jeu? Alors, de formation, Mathias, c'est plus un joueur de côté. Il n'a pas été formé comme buteur, c'est un ailier droit. C'est un joueur généreux, assez vif, rapide. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, en français, coureur, ça signifie quelqu'un qui court. Et donc, en Corée du Sud, il a découvert un championnat très physique dans lequel les joueurs couraient énormément. Ça lui a donné du volume de jeu. Ses qualités de finisseur, en fait, de buteur, il les a acquises avec le temps. Il a toujours marqué quelques buts, mais c'est vraiment ces dernières années qu'il a gagné en justesse.
avec donc en point d'orgue ce début de saison totalement fou au Tchernomor, où il a empilé les buts, la confiance. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, l'a aidé à passer un nouveau palier dans sa carrière. Est-ce que tu sais le championnat turc, penses-tu et qu'il puisse s'adapter à ce championnat? Alors, je ne vais pas mentir, je ne suis pas particulièrement le championnat turc, je ne suis pas un expert de ce championnat, mais s'il y a bien quelque chose qu'il faut reconnaître à Mathias, c'est sa capacité d'adaptation. Il a connu le football en France, en Espagne, en Bulgarie, en Géorgie, au Kazakhstan, en Corée du Sud. Donc il a un bagage que peu d'autres joueurs ont. Et en ce sens, je pense qu'il a une réelle capacité d'adaptation. Je ne suis pas très inquiet là-dessus et je suis persuadé qu'il donnera le meilleur de lui-même pour réussir en Turquie et à Samsunspor. Il a marqué 15 buts en 15 matchs. Le supporter de Samsunspor attend de lui qu'il répétait ses performances en Turquie. Penses-tu qu'il continuera à marquer beaucoup de buts? Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un buteur de base. Il a été formé sur le côté droit. Je pense que c'est un joueur qui peut apporter à l'équipe offensivement. Sur tous les plans du jeu, il a montré qu'il savait marquer et je pense qu'il continuera à le faire. Peut-être pas autant qu'au Tchernomor, mais c'est un joueur qui sait être décisif. Si les supporters lui donnent du temps, de la confiance et aussi de l'amour, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc je ne suis pas inquiet pour lui, je pense que c'est une bonne opportunité, qu'il la saisira du mieux qu'il peut et que ça marchera pour lui et pour le club. Et en tout cas, j'espère parce qu'il le mérite. Merci beaucoup pour ton temps et pour ta participation et pour toutes les informations que tu as données. Merci Alim, avec plaisir. Bir röportajımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.